Les pyramides égyptiennes ont-elles été bâties par des extraterrestres venus du futur? Un complot! Le 31 juillet 2020, le milliardaire américain Elon Musk a tweeté « Des aliens ont construit les pyramides, c'est évident ». Les propos de Musk ont l'air un peu incongrus, et pourtant je parle du type qui a envoyé une voiture dans l'espace pour le plaisir, hein. Mais c'est une théorie du complot qui a la dent dure. Les pyramides égyptiennes sont trop grandes, trop belles, trop massives, trop géométriques, trop superlatives pour être l'œuvre d'humains. La solution la plus simple pour expliquer ces monuments, c'est que les bâtisseurs de l'époque ont bénéficié de l'aide d'extraterrestres. Alors, outre ce manque de foi flagrant en l'humanité, merci pour les constructeurs de l'époque, hein, y a effectivement un petit peu de mystère encore aujourd'hui autour de la construction de ces énormes tas de cailloux. Mais disons que les archéologues ont quand même pas mal d'hypothèses pour expliquer tout ça, aucune n'impliquant la présence d'aliens. Mais soit, passons en revue les principaux arguments des adeptes de cette théorie du complot. Primo, on l'a dit, les Égyptiens de l'époque n'avaient ni les connaissances, ni la technologie pour accomplir un tel exploit. Ça implique par exemple de manipuler des gros blocs de pierre qui pèsent parfois plusieurs dizaines de tonnes et de les charrier sur des kilomètres, voire des centaines de kilomètres. Alors certes, ça a pas dû être facile, hein, mais le transport a dû se faire par bateau ou bien par la terre ferme, par traîneau. Un peu comme le Père Noël Summer Edition qui traverse le désert avec des cailloux dans sa hotte à la place des cadeaux. Noël, c'était pas mieux avant. Deuxième argument, elle est où la transition? On passe d'un troupeau de pécores à hygiène douteuse à une civilisation qui nous pond l'une des 7 merveilles du monde entre la poire et le fromage tout en dessinant des petits Mickey sur les murs. C'est un peu comme votre copain Enzo qui collectionne les 5 sur 20 et qui un jour se chope un 18 en maths, c'est louche. Il a dû bénéficier d'une aide extérieure. Faux, parce que notre Enzo à nous, les Égyptiens donc, n'ont pas aligné des 5 toute l'année. On a vu la transition depuis j'enterre mes gens importants dans le sol à je leur dresse des tombeaux majestueux de 140 mètres de haut qui défieront encore la logique 4500 ans plus tard. Ils sont passés par je jette un petit tas de terre sur mes cadavres à je construis un étage de briques à j'empile mes étages jusqu'à je fais pousser des pyramides dans l'espoir d'inspirer les générations futures et surtout Ferrero Rocher. Troisième truc étrange, il y a des témoignages des antiques Égyptiens qui ont croisé des extraterrestres. Tenez, prenez ce papyrus de Tully, ça crève les yeux là. Pas vrai? Quoi? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Enfin, des lettres? Bon, alors d'accord. En gros, ce qu'il raconte, ce serait une histoire à couper le souffle de voyageurs mystérieux traversant les sables de l'Égypte ancienne il y a plusieurs millénaires. En l'an 22, dit-il, un étrange disque de feu entrait dans l'atmosphère. En quelques jours, ces disques de feu sont plus nombreux que jamais dans le ciel. Twingo, c'est la preuve formelle que les ovnis ont débarqué en Égypte ancienne. E.T. version Nefertiti. Le hic, c'est que d'une, il pourrait juste s'agir d'un phénomène astronomique comme des comètes, et de deux, ce qu'on voit là, c'est la copie d'un papyrus qui daterait de 1400 avant Jésus-Christ, copie qui aurait été faite par un directeur de musée en 1930. L'ennui, c'est que personne n'a vu le papier original, donc impossible de vérifier si la version qu'on a ici est la bonne. Et pour être honnête, beaucoup de scientifiques pensent que c'est simplement un canular. Mais c'est pas grave, on va pas se démonter pour si peu, j'ai d'autres hiéroglyphes à mon arc. Prenez cela. Nous sommes dans le temple funéraire de Séti Ier à Abydos, un site archéologique du centre du pays. Et là, c'est imparable. Vous voyez comme moi des choses qui n'ont rien à faire du tout dans l'Égypte antique. Cet avion, cet hélicoptère, ce sous-marin, comment vous expliquez ça? La seule solution, c'est que les Égyptiens ont été en contact avec une civilisation supérieure, des voyageurs temporelle venue du futur. Ou alors ils ont juste vu Top Gun. Et depuis, ils vénèrent Tom Cruise. Eh bien, moi, j'ai une autre solution, sinon, c'est que les Égyptiens n'étaient pas uniquement des cinéphiles avertis, ils étaient aussi des fieffés écolos. Ils recyclaient, et là, ils ont recyclé ce cartouche de Séti Ier pour son fils Ramsès II en réécrivant par-dessus. Quelle indignité. C'est ce qu'on appelle un palimpseste, et je vous défie de placer ce mot au détour d'une conversation. Donc, non, hélas, point délicat, mais la superposition d'un bras et d'un œil, à la place du tank ou du sous-marin, hein, c'est selon, on aurait le signe de la main, et pour l'avion, ce serait le signe du bras remplacé par celui de la bouche. Bref, ce sont des illusions d'optique. Et d'ailleurs, je vous parie que si je vous avais pas dit quoi voir au début, vous auriez pas forcément vu la même chose. Bon alors c'est râpé pour les petits dessins, mais que faites-vous des formes de crâne allongé d'Akhenaton, le pharaon, pas le rappeur, de ses filles et de son fils, le roi Toutankhamon. La rumeur raconte qu'Akhenaton serait un extraterrestre venu sur Terre pour tenter de nous gouverner tous. Et si les aliens peuvent se reproduire avec les humains, ils sont peut-être encore parmi nous. Qui sait? Peut-être que vous-même, vous avez du sang extraterrestre qui coule dans vos veines. Même si bien sûr, il y a d'autres explications plus plausibles. Peut-être qu'Akhenaton et ses descendants avaient une maladie. Peut-être aussi que c'était une déformation volontaire à des fins esthétiques. Il y en a bien qui portent des bobs pour le plaisir aujourd'hui. Peut-être aussi que c'était la mode chez les sculpteurs de l'époque, l'art armanien qu'on appelle ça. Mais pour autant, les pharaons n'auraient pas eu cette gueule-là en vrai. C'est comme les mangas, personne n'a vraiment cette tête dans la vie. Et là, on touche au pourquoi. Pourquoi les extraterrestres seraient donc venus nous rendre visite? On entre dans la théorie du complot qui s'appelle la théorie des anciens astronautes. Les petits hommes verts seraient venus plusieurs fois au cours de l'histoire nous faire coucou, pas pour nous féliciter pour notre sens aigu de la mode ou de la gastronomie, mais pour nous dispenser leur savoir et aussi des fois, selon les versions, pour exploiter les ressources de la Terre ou nous réduire en esclavage. Quant aux pyramides, ils pourraient s'en servir d'observatoires astronomiques, d'édifices religieux. Bah oui, pourquoi les petits hommes verts auraient pas le droit d'avoir des croyances comme nous? Ou de centrales électriques. J'ai pas tout compris pour être honnête.
tête, mais en tout cas, les humains, eux, se servaient des pyramides comme de tombeaux pour leurs défunts majestueux. Moralité, oui, les pyramides existent. Pour les extraterrestres, c'est beaucoup moins sûr. Ces pyramides ont été très 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 probablement construites par des humains, hein, du coup. On sait pas exactement comment, mais on a plein de pistes, notamment avec des leviers, des rampes, des poulies et beaucoup d'ouvriers. Le manuscrit qui dit que les ovnis ont débarqué en Égypte antique ne prouve rien et était au mieux un canular. Les hiéroglyphes qui représentent tout l'arsenal de Call of Duty étaient simplement des illusions d'optique. Le crâne déformé d'Akhenaton et ses fistons ne prouvent pas non plus qu'ils étaient des petits hommes verts, mais soit qu'ils étaient malades, soit que c'était la mode à l'époque, ou alors c'était une mode graphique. Quant à la fonction des pyramides, pour les humains, c'était des tombeaux, pour les aliens, c'était ce qu'on veut. Du coup, peut-être un distributeur de chocolat pour faire plaisir à Ferrero. Peut-être qu'ils sont dans le complot, eux aussi.